Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment ? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh ! Encore toi ? C'est ta boutique ? Non, c'est à mon père. Ah. Combien ? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies ? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul ? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein ? Non, il était volontaire. Vraiment ? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus Ganesh. T'es sûre ? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire ? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Il a l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Et ça me coûtera combien ? Ma sœur a besoin de moi. Comment je fais ? Ça ne sera pas long, il faut simplement vérifier vos papiers. Il faut que je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Oh ! Bon, ton Ganesh, tu en veux combien, dis-moi ? Il n'est pas à vendre. Excusez-moi. Quoi ? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Il y a trop de soldats. Chier. Attends un peu. T'es pas une touriste, toi, hein ? Tout est en règle. Bonjour, madame. Super prix. Tu vois pas qu'on est occupé ? Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Tu travailles pour la CIA ? Ce serait vraiment trop cool. Les gens ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite. On s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok ? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord ? Ok. Bien. Merde ! Oh, fais chier ! Monsieur ! Attends ! Monsieur ! Non. C'est mon papa. On mangeait une glace et je l'ai perdu. Je peux pas rentrer sans lui. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il se tenait juste là. Je parlais à cet homme, je me suis retournée et il avait disparu. Attendez, il est là. Il est là. Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Qu'est-ce qu'ils font encore là? Fuyez pendant qu'il est encore temps. Allez, allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Dehors, dehors, bouge! Arrête! J'ai rien fait du tout! Saloperie d'espion. Quoi? Non! La ferme! Il ment! Dans le camion! Mets-toi! Faites une erreur! Oh, le juge! Allez, montez! Tout de suite! Je crois que j'ai pas le choix. Oui, chef. Toi, avec moi. Doucement. Où est l'urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hé! Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hé! Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. À Rafta. Quoi, putain, je suis occupé. Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. C'est bon. Pas par là. Du feu? Je fume pas. Toi, tu sers à rien. J'en veux pas si je peux pas le voir. Ah!
voilà le travail. Viens là, mon ami. J'en ai à pleuvoir. Ouais, au moins, ça nettoiera un peu les rues. J'ai le sommeil. Tu peux dormir dans le camion. Non, merci. C'était le dernier ou pas? Presque. Il en reste encore deux dans l'allée. Ok. On bouge ce soir? J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non. À Savadi, une semaine. Merde. Encore une semaine dans ce putain de trois rats. N'oublie pas l'objectif final. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est? Rien. Je suis avec Assad et qui chasse des artefacts partout en main. J'ai hâte de me battre pour de vrai. Cet endroit est merdique. Assaf dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement ne prend pas au sérieux. Ça va plus durer très longtemps. On n'aura pas vidé cet endroit. Chaque détail compte. On doit rester dans l'ombre. L'armée a des yeux. Oh la merde! Bon. Je suis en zone de guerre. Ne fait pas les choses à moitié. Ah, le Pink Lotus. J'imaginais autre chose. Deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel? Thank you.
Ethan, t'es foutu. Je te tiens maintenant. T'es en retard, Fraser. Invite te voir aussi. À quoi tu joues à la fin? Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On ? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides ? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va.